On a vu hier qu'il y a des fois, on fait des actions, en fait c'est une mitzvah, mais si on n'y pense pas, la mitzvah n'est pas faite, parce que pour les mitzvahs de la Torah, il faut penser la faire. Parmi cela, il y a le fait de payer, après qu'on a demandé à quelqu'un de faire un travail pour nous, il faut le payer. Avant, si c'est la journée, c'est avant le coucher du soleil, c'est la nuit, avant le lever du soleil. Alors par exemple, babysitter, on amène son babysitter, on vient le soir, bon, on n'a pas de monnaie, tout ça, bon, je vous paierai demain. On rate la mitzvah. Même si la babysitter est complètement d'accord, la mitzvah, elle est ratée. Taxi, tu payes en taxi, bon d'habitude c'est rare que tu files du taxi sans payer. Mais il y en a qui, comme je l'ai dit hier, ils payent à l'avance. Si tu payes à l'avance, c'est pas valable, c'est après que le travail a été terminé. Donc on arrive, on a arrêté, il a arrêté le compteur, là tu payes, c'est bon. Avant, c'est pas parce que vous avez décidé d'aller 50 shekels sans le compteur. Et tu payes déjà pendant le chemin, tu as raté la mitzvah. T'as un plombier qui vient chez toi faire un travail, tu dis, bah, je vous payerai demain, d'accord? Tu payes maintenant, comme ça tu fais la mitzvah. Il y a deux mitzvot, une mitzvah assez d'oraita, une mitzvah lota assez d'oraita. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.